Bonsoir et merci de regarder sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. La rentrée politique, c'est à suivre sur TV7. On continue nos entretiens avec les différents prétendants à la mairie de Bordeaux. Ce soir, on vous présente deux petits candidats, en tout cas moins connus des Bordelais. Bruno Paluteau, le candidat du Rassemblement National, et Pascal Jarty, qui se présente sans étiquette. Et puis justement, à voir ce soir une nouvelle émission autour des élections municipales, l'éphémère. Ce sera le premier numéro à voir ce soir pour tout comprendre de ce scrutin. Et puis la politique, on en parle aussi dans Commentaires Libres, pardon, comme tous les mercredis avec les éditorialistes de Sud-Ouest qui débattent de l'actualité. Et le Grand Pavois, 47e édition, c'est parti. Le Salon du Nautisme a ouvert ses portes aujourd'hui et on vous fait vivre l'événement toute la semaine avec notre envoyé spécial sur place. Et puis nous partirons sur l'île d'Aix avec Loïs Clément, découverte de la plus petite commune du département de la Charente-Maritime, une île méconnue qui regorge de pays. Paysage paradisiaque et tout de suite les titres de l'actualité. Un nouveau supporter de poids pour le métro à Bordeaux, Christophe Duprat, élu en charge des transports à la métropole, a déclaré aujourd'hui lors de la rentrée de TBM qu'il fallait pour lui envisager la construction d'un métro d'ici à 2030 à Bordeaux. La qualité de l'air est-elle satisfaisante dans l'agglomération? À l'occasion de la journée nationale de la qualité de l'air, nos confrères de Sud-Ouest dévoilent que seule une école de la métropole sur 5 bénéficie d'un air de bonne qualité. L'ATMO, l'organisme responsable de la qualité de l'air, tenait aujourd'hui une conférence de presse. Le Grand Pavois s'est ouvert ce mercredi, un rendez-vous incontournable du monde du nautisme, mais aussi le point de départ de la Mini Transat, une course légendaire dans laquelle s'embarque pour la première fois le Girondin Raphaël Luttard, portrait à découvrir dans un instant. La météo, c'est encore très ensoleillé demain, un temps toujours sec et chaud avec des températures avoisinant les 30 degrés, il fera même jusqu'à 27 plus précisément à Bordeaux et 28 dans le sud Gironde. 108 millions de voyageurs sur le réseau TBM cette année, ce qui correspond à une augmentation de 3,5% par rapport à l'année précédente. Des chiffres présentés ce matin, mais qui sont à nuancer. Les manifestations des Gilets jaunes ou encore l'incendie du parking des Salinières ont fait chuter de 4% cette progression. Une rentrée marquée par de nombreuses nouveautés sur les lignes de tram et de bus, mais aussi par des questions politiques comme celle du métro qui pourrait arriver à Bordeaux. Franck Poirot. Des nouvelles offres vont être proposées aux utilisateurs du réseau TBM prochainement. En novembre, au lendemain des vacances scolaires, de nouvelles lignes de bus seront mises en service. La Corolle 31 reliera Bassins au campus universitaire de Talence du lundi au samedi. Elle devrait permettre aux étudiants de la rive droite de rejoindre le campus universitaire. 100 000 voyages par mois sont attendus sur cette nouvelle ligne. La deuxième nouveauté concerne la Corolle 39 entre Le Haillan Rostan et Pessac-Bersol. Elle desservira l'aéroport et l'aéroparc de Mérignac ainsi que la gare de Pessac-Alouette. En fait, il y a une forte demande, notamment des actifs, d'avoir des solutions de transport qui ne soient pas le véhicule particulier, mais qui soient à l'extérieur de la rocade. Aujourd'hui, le réseau TBM, et c'est vrai, très radial, c'est-à-dire qu'on va de l'extérieur vers l'intérieur, et il y a des demandes fortes qui se manifestent pour que on puisse desservir les gens de périphérie à périphérie, notamment les entreprises, et l'aéroparc est en demande constante. Cette Corolle 39 empruntera la rocade entre la sortie 12 et 13. Autre nouveauté, dans quelques jours, TB Night sera mise en service. Ce bus circulera le jeudi, vendredi et samedi de 1h30 à 5h30 du matin. Enfin, le 14 décembre prochain, la ligne D du tramway sera mise en service entre Carle-Vernay et la mairie du Bouscat via la gare Saint-Jean et les Quinconces. Les tramways sur la deuxième partie de cette ligne allant jusqu'à Eysines-Cantinol devraient circuler dans le courant du deuxième semestre 2020. D'autres projets sont dans les cartons de la métropole comme le RER métropolitain ou l'extension de la ligne A du tramway vers l'aéroport. Depuis 2009, le réseau de transport en commun de l'agglomération est celui qui a progressé le plus vite dans tout l'Hexagone. Mais pour ses responsables, il faut regarder encore plus loin. Au rythme de l'arrivée des nouveaux habitants, le réseau sera saturé, surtout dans la ville-centre, en 2030. L'hypothèse d'un métro est donc incontournable pour Christophe Duprat, vice-président de la métropole en charge des transports.
Le sujet principal aujourd'hui, c'est de dire on y va ou on n'y va pas. Une étude a été faite, très sérieuse au demeurant, que j'ai pu consulter. Elle répond en disant que techniquement, ça peut se faire. Financièrement, c'est très compliqué, soyons très honnêtes. Mais ce sont des décisions à prendre. On a su, en 1997, par exemple, investir assez lourdement pour 3 phases de tramway à 2 milliards d'euros. Nul doute que ce sujet du métro bordelais occupera une place importante dans la campagne des élections municipales de mars prochain. Le coût de ce projet est estimé à 1,4 milliard d'euros. Et pour rappel, un TBM qui a annoncé hier la reprise du trafic sur la ligne C du tramway entre les stations Quinconce et Gare Saint-Jean, ce sera pour le 28 septembre, dans 10 petits jours. Justice, 6 jeunes hommes ont été condamnés ce mercredi à des peines allant de 3 à 12 ans de prison ferme pour le viol, la séquestration et le vol d'une étudiante. C'était en juin 2016 à Bordeaux, un procès sur fond de trafic de stupéfiants qui avait suscité l'émotion de la communauté étudiante à Bordeaux. Et puis 2 réacteurs de la centrale de Blaye concernée par des malfaçons. La semaine dernière, EDF a prévenu l'autorité de sûreté nucléaire qu'elle avait identifié des problèmes de soudure sur des générateurs de vapeur. Et l'entreprise a confirmé aujourd'hui que 6 de ces 58 réacteurs étaient concernés, dont 2 à la centrale de Blaye en Gironde. Selon les responsables de cette centrale, des analyses ont démontré le bon fonctionnement de ces réacteurs et il n'y aurait aucun risque. L'autorité de sûreté nucléaire a tout de même été saisie et doit rendre un avis très prochainement. Et on vous le disait hier, le tunnel à l'entrée du futur pont Simone Veil sur la rive gauche de Bordeaux est fermé seulement 15 jours après sa mise en service. En cause, un camion qui a arraché le portique limitant la hauteur à 2,70 m. Une fermeture qui crée de très gros bouchons le matin et le soir sur ce boulevard des Frères Moga. Et selon Bordeaux Métropole, il faudra attendre lundi au plus tôt avant la remise en service du tunnel. Et nous sommes au téléphone avec Jean-Marie Darmian, conseiller départemental. Jean-Marie Darmian qui a réagi à cet incident. Pour vous, il pose une autre question, celle de l'accessibilité des secours. Oui, parce que sur le pont Simone Veil, il faut savoir que le projet a une origine en 2014 et qu'en 2014, les services d'incendie et de secours de la Gironde, puisque je suis membre du conseil d'administration à l'époque, j'étais vice-président, n'ont jamais été consultés sur les aménagements de sûreté ou de circulation autour du pont. Et en particulier sur la rive gauche. Ils ont été consultés en 2017, un peu tardivement, sur l'aménagement de la rive droite. Et force est de constater que ce type d'aménagement qui limite la hauteur interdit absolument à tout camion de secours d'emprunter ce tunnel. Et donc la question qui se pose est de savoir quelles seraient les conséquences d'un embouteillage ou de quelque chose qui boucherait le pont avec un accident provoqué par un camion, comme ça a été le cas l'autre soir, qui heurterait le sommet de la passerelle qui est au-dessus du tunnel. Et donc tout bonnement, il y a un problème qui devra être résolu puisque les services de sécurité devront emprunter les trajets poids lourds pour pouvoir d'un côté et de l'autre du pont accéder au secours qu'ils ont à donner. Qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui? Il faut que les différents services se concertent autour de cette question? Je pense que maintenant, c'est un peu tard. Sur ce pont, la concertation n'a pas l'air d'avoir été menée de façon très pointue. Et lorsque les services de secours ont réagi assez vivement à la trémie qui sera sur la rive droite, il était trop tard puisque l'appel d'offres et les chantiers étaient décidés. Et donc, c'est simplement un constat. J'ai été, moi, personnellement, et c'est à titre individuel que je réagis, j'ai été très surpris de voir qu'un camion, dès l'ouverture, avait déjà enfreint les règles de sécurité et qu'il était possible qu'à un moment ou à un autre, un tel incident se répète avec des conséquences que, comme sur beaucoup d'aménagements métropolitains, les immeubles, les rues trop étroites ou des aménagements qui sont effectués actuellement, le SDIS n'est pas en mesure de garantir totalement la sécurité des personnes. Merci beaucoup Jean-Marie Darmian. Voilà Jean-Marie Darmian, conseiller départemental, qui alerte sur cette question de l'accessibilité des secours. Et puis toujours pour les automobilistes, à noter cette fermeture du pont d'Aquitaine. Ce sera dans la nuit de demain. L'ouvrage est fermé pour cause de travaux dans le cadre de la mise à 2x3 voies de la rocade. Ce sera donc entre 21h et 6h du matin vendredi.
Et c'est aujourd'hui la journée nationale de la qualité de l'air dans la région. C'est l'association Atmo Nouvelle-Aquitaine qui se charge de contrôler le taux de particules et de pesticides qui circulent dans l'air. Et à Bordeaux, des progrès restent encore à faire. Reportage avec Alice Bacco. Autour de l'école Anne-Sylvestre de Bordeaux, au pied du pont d'Aquitaine, le taux de dioxyde d'azote présent dans l'air est presque deux fois supérieur aux normes françaises et européennes. C'est en tout cas ce que montrent les analyses réalisées toute l'année par l'association Atmo Nouvelle-Aquitaine, qui dispose d'une cinquantaine de capteurs dans toute la région. Ces stations de mesure sont réparties sur les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Donc 4 ou 5 stations sur Bordeaux, 2 ou 3 sur les autres villes. Tous les jours, nous avons la qualité de l'air avec le chiffre de la veille, d'aujourd'hui et du lendemain. Et chaque citoyen peut zoomer sur son quartier pour voir quelle est la qualité de l'air sur son quartier. Même si les lieux autour de la rocade restent très pollués, il y a du mieux dans la métropole. Les concentrations moyennes en dioxyde d'azote, qui sont par exemple produits par les transports, ont diminué de 20% ces 10 dernières années. L'évolution de la qualité de l'air, qui effectivement s'est améliorée depuis un certain nombre d'années, due à plusieurs facteurs. Le facteur, c'est les progrès qui ont été faits au niveau des industriels suite à l'évolution de la réglementation. Ensuite, tous les constructeurs automobiles qui néanmoins ont fait des progrès quand même sur les combustions diesel et essence, bientôt électriques, qui permettent effectivement d'améliorer la qualité de l'air. Bien évidemment, il reste quand même pas mal de progrès à faire et Atmo Nouvelle-Aquitaine est précisément là pour mesurer et évaluer tous les progrès de ces différentes modifications techniques. Hier et aujourd'hui, l'Observatoire organisait les Assises régionales de l'air à Limoges et à Bordeaux, l'occasion pour les nombreux experts présents d'échanger et d'avancer sur le problème de pollution dans la région. Et dans la région, toujours direction La Rochelle, où le Grand Pavois s'est ouvert aujourd'hui. C'est le rendez-vous, vous le savez, du nautisme. De nombreux rendez-vous qu'on suit toute la semaine, et notamment le départ de la Mini Transat, une course au large sur des bateaux de seulement 6,50 m. Et un Girondin se lance cette année dans l'aventure pour sa première transatlantique. Portrait de Raphaël Lutard avec Christophe Chavanneau. 4000 milles nautiques à parcourir, autrement dit traverser l'Atlantique à bord de ces unités de 6,50 m seulement. C'est le défi de la Mini Transat, cette course au large organisée tous les deux ans et qui sera la première pour le Girondin Raphaël Lutard à bord d'Arkema 3, ce prototype à foil qui avait attiré tous les regards en 2017, alors aux commandes de Quentin Vlaminck. Raphaël était alors son préparateur, il connaît donc le bateau par cœur. On a beaucoup d'innovation sur le bateau, on a les foils, on a l'aile donc, qui est semi-rigide, on a la forme de carène aussi qui est différente, les travesco, donc les traves arrondies, et on a surtout le bout de dehors qui rentre dans les bateaux et qui n'est pas pivotant comme les autres. Donc ça fait quand même pas mal de paramètres. Il y a beaucoup de réglages à trouver, ça a été un peu long, maintenant on commence à connaître un peu le bateau, mais c'est sûr qu'on a un beau laboratoire avec nous. Entre les mains, voilà, pour donner un petit ordre d'idée, on a fait une pointe maximum de vitesse avec Quentin, c'était 27 nœuds, donc ça fait à peu près, presque 50 km/h à peu près, donc ça commence déjà à être pas mal pour des bateaux qui font 6,50 m. Hein. Construite à partir de résine recyclable, ce voilier aux innovations multiples sera donc le coursier de Raphaël qui s'est préparé en conséquence. Il y a de la préparation physique, donc beaucoup de vélo, de cardio et de muscu. Après, il y a une préparation aussi psychologique, voilà, qui est quand même pas anodine, parce qu'on part sur des machines, voilà, il faut accepter un peu de l'inconfort et de se faire mal. Donc ça, on a travaillé avec une coach, Emmanuel Fouillet, sur les spas, qui m'a beaucoup aidé déjà dans la préparation mentale. Et puis après, sommeil, oui, beaucoup, parce qu'on va dormir que par tranche de 20 minutes au début. Il faut arriver à trouver le sommeil assez rapidement, à trouver le bon sommeil, parce que voilà, il faut trouver le sommeil réparateur, et puis surtout il faut enchaîner pas mal de siestes pour au minimum essayer de dormir 5 à 6 heures par tranche de 24 heures, donc c'est un peu compliqué. On va dire que celui qui généralement finit bien sa transat, c'est pas celui qui a le plus dormi, mais c'est celui qui a le mieux dormi, quoi. Départ prévu de La Rochelle ce dimanche à 14h15. Première étape direction Las Palmas aux Canaries, avant la deuxième étape qui conduira les 87 concurrents en Martinique.
Voilà, cette semaine spéciale, hein, Grand Pavois, c'est donc tous les jours sur TV7, tous les soirs de la semaine, on vous emmène à La Rochelle pour vivre au plus près le salon et ça se conclut ce vendredi avec une soirée spéciale à partir de 18h15. Nous serons donc au Grand Pavois pour plus d'une demi-heure. Vous restez avec nous tout de suite, on continue à parler des municipales sur TV7, deux candidats dont vous retrouvez l'interview dans un instant.